Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine nan, quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à président provisoire Jouslem Privert dressé bilan divers travail les faits qu'on a déjà réalisé depuis qu'il est dans tête pouvoir. Président provisoire exprimé préoccupation dans sa qui gagne rapport avec phénomène insécurité cap valet terrain en un pays à chef l'état fait qu'on a une pile disposition qui déjà prend bon côté PNH là pour garantir sécurité population. Fondation JICEN, la tête couleur quoi où JICEN organisé une journée collecte sans vendredi 4 mars 2016 là dans le local qui loge institution en Turjo. Activité ça rentrée dans le cadre de célébration 9e année existence Fondation JICEN. L'autre information, directeur général Théâtre National Yves Penel annoncé participation à Haïti dans le festival Zacatecas cap gain pour organiser dans le pays Mexique sorti 12 pour arriver 20 mars cap venir là. Divers pays tant que Brésil, Cuba, Chili a gain pour participer dans activité ça. Dans le pays l'autre bord de l'eau, François Hollande recevoir dans Élysée journée vendredi 4 mars 2016 la chancelière allemande Angela Merkel dans objectif pour prendre une décision commune dans question migrants. Rencontre couple franco-allemande a dû dissiper en pile tension surtout seulement 3 jours avant sommet qui prévoit organiser la France avec pays Turquie. Tout côté, yeah. Il y a tout côté. Oh, Maes, le aguette a passé sous nous par sa papa. Oh oh, bon bon cadeau bon acheter la bode. Ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité. Gas à Ini Bank tout côté. Galé ti kat pa m'nan pou m'acheter. Parce que Ini Bank tout côté. Nous tout côté, yeah. 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 Ini Bank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça, man. Pas que t'en prends rien, man. Quand ça passe, vous mettez à faire 4 Unibank tout côté pour là. Trust me, brother. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus pire. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2299-2020. Unibank tout côté. Allô, mami? Allô, Titine. Vous êtes dans la marché, hein? Oui, je suis presque fini, oui. Je suis fini tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne peux pas faire un petit like pour moi, un petit citron? Mami, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille pour me taper un petit cob après ça m'a tourné venir acheter le goût, mami. Non, 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 pas inquiète, chérie. Et tu peux contrôler à me garder le cougnat sur le téléphone pour. Ou lié avec mon cash, ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid de faire un compte mon cash sur le téléphone Digicel ou et puis même côté à téléphone n'a vu boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passe kayon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou ak yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou vle rale sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse ou soit rele nan 202 sous Digicel pour ka voye l'argent bay moun ou vle, lè ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voye ak recevoir l'argent. Président provisoire Jouslem Privert dressé bilan divers travail les fait connaître déjà réalisé depuis le givé dans tête pouvoir. Président provisoire exprimé préoccupation tout dans sa qui gagne rapport avec phénomène insécurité à cap valet terrain en d'un pays à côté gagné plusieurs policiers qui rivé assassiné en babal n'a examen personne pour qu'a identifié. Chef l'état fait qu'on ait en pile disposition qui déjà adopté pour rivé garantir sécurité population. Président provisoire Jouslem Privert a porté plus de détails dans micro collaborateur nos gens Sony Le Maï. Des instructions formelles ont été passées aux forces de l'ordre pour renforcer leur présence dans les rues, assurer que partout yo fait de façon régulière et qui ces instructions étaient accompagnées de changements importants qui opéraient au sein de la haute hiérarchie de la police nationale. D'ailleurs, nous avons un nouveau direction un nouveau directeur départemental de la zone métropolitaine et un changement tout qui est opéré au niveau de la direction centrale de la police administrative, ça nous relève des CPA. Tout changement ça yo fait et dans la perspective de garantir la sécurité de la population, permettre tout le monde vivre dans le pays dans des conditions maximales de sécurité. Et autorité policière, surtout la police administrative, y a une instruction pour le travail
avec la direction centrale de la police judiciaire pour permettre que les bandits, les criminels, ceux qui sèment le deuil et la mort, soient mis hors d'état de nuire. Pas plus tard que cette semaine, nous t'ai rencontré ici à une délégation de parents et amis des victimes de l'alcool, moun ki te mouyo, et dans semaine ça tout, nous prévoir rencontrer une délégation des proches des policiers près de 300 qui gagnent des qui mouri dans cadre travail yo, et que probablement salaire yo qui t'a dû débloquer à des périodes bien déterminées, yo va faire nous rencontrer délégation des épouses, des sœurs, des victimes, des filles, des victimes, des policiers victimes au courant de la semaine. Ça c'est premier fléau qui a tracassé la population. Et pour nous faire face à ce fléau, non seulement il y a des changements qui ont fait dans la population, mais nous avons souhaité tout, au niveau de la police, nous avons souhaité tout que la population ait collaboré en fournissant des informations permettant l'identification des bandits. Yon lot bon président provisoire Jocelyne Privert dit li espéré palma haïtien prend toute disposition pour bailler un vote confiance avec déclaration politique générale premier ministre nommé pour permettre institution que fonctionner. Cependant dans sa qui gagne à poids formation conseil électoral provisoire président Jocelyne Privert confirmé gain certains 9 secteurs qui concernés ou qui déjà choisi représenter dans quatre formation prochain conseil électoral provisoire. Jocelyne Privert, c'est président provisoire qui t'a apporté plus de détails. Dans le micro, collaborateur, nous Jean-Sony Lemay. Et là, nous parlons que du gouvernement. Comme nous te connaissons, nous t'assister. Vendredi dernier, on a procédé à la nomination et à donner l'investiture au nouveau premier ministre. Le premier ministre investi dans ses fonctions, actuellement est en phase, en accord avec le président, de constituer son gouvernement. Ces documents ont été transmis au Parlement afin que le Parlement puisse confirmer, je répète bien le mot, que le Parlement pourra confirmer l'éligibilité du Premier ministre et l'inviter à venir déposer, et l'inviter à venir faire la déclaration de sa position générale aux fins de vote. Donc, à 8 jours de cette première action, nous espérons que d'ici le début de la semaine prochaine, le Parlement sera capable pour recevoir le Premier ministre là, tant de déclarations politiques générales liées et balle le vote de confiance approprié pour permettre que le pays lui reprenne la voie institutionnelle, pays a recommencé à fonctionner avec un gouvernement détenteur de la légitimité en ce sens qu'il a été nommé par le président et que sa déclaration politique générale a été voté par le Sénat, par les deux chambres, conformément au vœu de l'article 158 de la Constitution. Autre point, nous avons pour nous parler dans situation politique là, c'est la formation du Conseil électoral provisoire. Démarche que nous avons entreprendre au cours de la semaine dernière au niveau de tous les secteurs de la vie nationale pour nous demander que les 9 entités identifiés, les 9 secteurs identifiés, puis déléguer leurs représentants, nous avons dit aujourd'hui nous à la phase finale. Ces 9 secteurs ont répondu favorablement à la démarche. Il y a 7 de ces 9 secteurs qui ont fait des propositions claires et nettes, et il y a deux qui sont encore en difficulté, en ce sens que il y a 3 noms qui nous sont proposés par ces 2 secteurs. Je voulais parler du secteur vaudou paysan. Pour ce secteur, nous disposons de 3 noms. Pour le secteur syndicat, on a aussi 3 noms. L'exécutif va devoir trancher à partir de ces 3 noms qui lui sont soumis. L'autre information, Sénat haïtien toujours en difficulté pour y organiser séance pour permettre à l'Assemblée sénatoriale de gagner un nouveau président. Cependant, sénateur groupe minoritaire non-Sénat continue à exiger application. Règlement interne bureau Sénat qui souligne composition bureau A doit refléter toute tendance qui composait Sénat République là. Sénateur Yuri La Tortue, c'est membre groupe minoritaire Sénat République là qui t'a porté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Nous profiter de ces circonstances là pour nous réaffirmer position groupe minoritaire au Sénat. Positionnons qui aller sur nos cas dit 2 points. Premièrement, au niveau du bureau du Sénat, moi crois que groupe minoritaire là nous toujours présent dans Sénat, mais comme groupe minoritaire là c'est
la loi a toujours bien pour boussole et les règlements. Le groupe minoritaire là, à partir de démission président Sénat, nous dit qu'il y a une vacance et nous dit que le règlement du Sénat, dans l'article 13 et 14, il a demandé pour que le bureau reflète les tendances au niveau du Sénat, toutes les tendances. Et pour le moment, nous avons deux tendances dans le Sénat, le groupe majoritaire et le groupe minoritaire. Moi, je crois que, puisque le règlement a imposé nous pour que le bureau a reflété toutes tendances, mais nous sommes le groupe minoritaire, nous avons adressé à groupe majoritaire là pour nous dire que il faut une recomposition du bureau côté à gagner deux places pour le groupe minoritaire et trois places pour le groupe majoritaire. Nous dit que ce consensus doit être trouvé par une réunion préséance et après cette réunion préséance le ça n'a pas gagné séance. Et là nous était hier un petit peu nous t'a dit démagogie que vice-président fait. Vice-président était avec nous, hein, dans le salon diplomatique, et nous avons dit d'attendre l'autre sénateur pour que nous gagnions pré-séance là, et après, nous allons dans la séance. Et dans ce sens-là, moi, je pensais que, justement, nous avons allé dans la salle de séance là, côté où nous voulions faire une séance forcée, et nous n'avons pas d'accord pour faire pré-séance là. Et c'est peut-être ça nous dit. Objectif, il a expliqué ça à la population. Si je dis à comment c'est une violation règlement, pour une violation loi, pour une violation constitution, et dès que nous quittons ça passé, nous allons entrer dans le même bouclier. Au niveau du bureau, c'est l'application stricte des règlements qui dit le bureau doit refléter toutes les tendances au Parlement. Et nous simplement, comme groupe minoritaire, comme groupe respectueux de la loi et des règlements, mandé pour y appliquer, à savoir un partage de responsabilités au niveau du bureau. Pour qui ça? Ça nous te ouais. Bureau ça a quitté 5 membres. Dès que l'idée fin installé au début de janvier, eh bien, groupe minoritaire n'a pas de aucune information de ce qui a passé dans le bureau. Et pas de aucune séance qui était organisée, alors que le groupe minoritaire devrait être informé maintenant de ce qui se passe au bureau et devrait aussi participer à la vie parlementaire. Donc nous te dit pour corriger ça une fois pour toutes, il faut que gon présence qui dans bureau, il faut gon présence groupe minoritaire là, groupe majoritaire là pour que décision yo c'est des décisions consensuelles les apprend au niveau du bureau. Sénateur Nord-Est la Jacques Sauveur Jean allait dans le même sens avec collègue sénateur Yuri la Tortue pendant exiger l'application règlement interne Sénat qui mettait accent sur partage responsabilité au niveau grand corps. Jacques Sauveur Jean, c'est sénateur Nord-Est là qui t'a porté plus précision dans le micro radio télé éclair. Proverbe qu'on aidé chat pendant de l'eau chaude. Li wè de l'eau froide. Li maire prend précaution. Et il est question de certains sénateurs qui ont accusé le groupe minoritaire de monde qui a fait marronnage. Le monde qui a fait marronnage pas venu devant le monde. Ou marron serré. Non, pour dialogue. Et le dialogue là qui permet que nous avancions plus bien. Puisque le Parlement doit refléter la présence de toute nation. Dans toute décision et dans tout contenu, et spécialement au niveau de bureau. Jean Bureau a formé, Jean t'a formé depuis que nous rentrons dans le Parlement. Hein? Mon cher t'a fait que tout le monde saute. Et si accidentellement, je dis, après une raison pour l'autre, président privé qui était président bureau, ne vient pas là, je pense que tu dois gagner une certaine élégance pour que les gens comprennent que place ça doit occupé par une autre tendance dans le Sénat qui va permettre que mon équilibre. Et ce n'est pas une parole personnelle, je défends, je parle de pays. Et moi, j'ai toujours considéré que n'importe qui a parlé de politique en Haïti qui pas commencé par pays, ou pas arriver loin. Parce que le premier point de repère, le premier cue, le premier pas pour faire, c'est pour faire avec notre tête, pays. Haïti, chérie. Ou en dedans là,
c'est pas débat qui fait la décision. C'est pas la raison primée, c'est stratégie mafioso. Ou quand on parle de pour faire papa papa pour garder ouais. Et quand on d'adjo on a demandé pour me sauter la caille moi pour me venir dans cimetière. Mais pour l'enterrer moi. Comprenez? Donc il est pas bon pour que c'est moi qui prend décision sauter la caille moi à pied dans cimetière pour enterrer. Nous pas quoi non, parce que le sens du dialogue pour le renaître dans mitan nous. Et le sens pour aller rentrer dans parlement, première intervention me fait. M'te parler parce que dans la campagne moi non bah écrit le club Jacquito, slogan club Jacquito c'est le sens du partage. Ces journalistes nous gagne doit informer, c'est pour un bagage comme d'adou que m'a utilisé depuis club Jacquito existait, parce que moi dit que plus gros problème qui gagne dans la vie c'est là où bah deux nègres $20 et puis gagne on dit la prend 75 goud automatiquement, le besoin de sécurité pour veiller faut le mettre faire forger la caille parce que il prend plus. Donc, moi-même, je pensais que le sens du partage, c'est ça qui peut mettre la tranquillité, la paix dans la tête de tout le monde qui vit. L'autre information, Fondation Digicel, dans la tête de collègue Kouaouj haïtienne, organisé une journée collection vendredi 4 mars 2016, là, dans le local qui logeait l'institution en Turjo. Activité ça rentrée dans le cadre de célébration 9e année d'existence Fondation Digicel. L'intervention du président Fondation Digicel, Mme Josepha Gauthier, fait qu'on est. L'initiative ça vise des Croix-Rouge haïtiennes fait face à la difficulté la confronter pour offrir 100 par population. Puis loin, numéro 1, Fondation adressé bilan positif travail. Il fait qu'on est Fondation arrivé réaliser dans sa qui gagne rapport avec bataille cap menée pour renforcer le système éducatif en Haïti pendant réaffirmer volonté Fondation pour arriver construire 178 écoles pendant l'année 2016 là. Madame Josepha Gauthier, c'est président Fondation Digicel, qui était dans le micro, Witlin Eliassin, avec Muller Baptiste. Bon côté par directrice service national transfusion sanguine Croix-Rouge haïtienne non docteur Marie Marcel Covin fait qu'on est sorti l'année 2015 pour arriver l'année 2016 institution disposait moins que 30 000 pochettes sang, une situation qui expliquait carence qui gagnait pour institution baissant population à cause pas gagné assez volontaires qui voulaient faire don sang
Docteur Marie-Marcelle Courvin, c'est directrice du service national transfusion sanguine. Croix-Rouge qui était dans le micro, Whitlin Eliassin avec Muller Baptiste. Bonne information, USAID dans le cadre projet Changer la vie planté organisé vendredi 4 mars 2016 là, une journée porte ouverte dans le centre rural développement du Cabla dans Montrouy. Activité ça rentre dans le cadre mise en œuvre projet ça dans la commune Saint-Marc dans le cadre bataille tout cap mené pour arriver augmenter production agricole dans le pays. N'a pas invité autant de yon après l'autre directeur centre rural développement du Cabla Montrouy à Grégory Cadet avec Roosevelt Desimus qui est directeur composante augmentation productivité agricole, le projet Changer la vie planté, qui était dans micro collaborateur, nous, Watson Fouquet. Collègue, moi, parlé déjà, n'a pas fait une présentation de centre rural de développement durable. Il faut que nous disions que le projet Winner, c'était un projet qui était financé par l'USAID. Le projet a été exécuté pendant 5 ans, défini en 2014. Le projet a été trouvé que c'est une nécessité dans la stratégie d'actionner pour mettre en place des centres de recherche qui sont capables d'aider dans la pérennisation d'un ensemble de bonnes techniques, bonnes méthodes de production moderne que l'on a vulgarisé à travers le corridor Mathieu. C'est dans ce sens-là, le centre lui-même a été mis en place. Et lorsque le projet Winner lui-même est arrivé dans Feni, il était arrivé passer gestion sans ça à une association qui était formée, qui relait l'association de gestion du Centre rural de développement durable de Montrouy. Sans ça, il est inauguré le 29 avril 2014. Et depuis le ça, nous là, nous avons fonctionné et en bas de telle association pour nous capables d'accompagner agriculture dans la région Matéa. Et sans ça même, lui-même, qui mission que lui? Sans la mission pour que lui accompagne tout bon vrai agriculture dans la région. Pour capable de moderniser l'agriculture dans la région. Moderniser l'agriculture dans la région à travers l'application de méthodes modernes de production agricole. Travail ensemble avec l'agriculteur pour capable de maîtriser les méthodes afin que tout le monde soit capable de jouer une augmentation de production agricole. Dans quelle mission? C'est notre mission pour arriver à augmenter la production agricole
dans la zone d'intervention projet A, par modernisation des techniques de production. Objectif principal projet ça, c'est arriver à aider 90 000 familles paysannes dans la zone d'intervention à augmenter revenus agricoles. Qui gens projet ça l'organiser en quatre composantes. En première composante, c'est composante augmentation production agricole là. C'est lui qui travaille avec agriculteurs pour aider eux jouer une meilleure technique qui est appropriée à condition que y a exploité à pour être capable d'arriver à augmenter la production agricole. Il y a une deuxième composante qui est la stabilisation bassin versant. Composante ça, il prend le travail pour essayer de protéger l'environnement, surtout dans le bassin versant côté qui est sous tête, plein côté, nous prenons le fait exploitation ça. Il y a une troisième composante qui est le renforcement des marchés des produits agricoles. Et composante ça, sont composantes qui peuvent aider agriculteurs leur fin faire production agricole là pour être capable de jouer une meilleure technique pour récolter produits et leur fin récolter produits projet après appuyer aider jouer une technique pour arriver à une meilleure conservation et gestion de produits agricoles après yo fin récolter. Et quatrième et dernière composante du projet A sont composantes qui peuvent faire renforcement organisationnel et institutionnel. L'autre information pastorale universitaire mettait fin jeudi vendredi 4 mars 2016 là avec série activités l'État organisé pour discuter sous crise qu'a traversé université activité ça qui était réalisé avec participation plusieurs professeurs dans université l'État pour le déboucher sous élaboration document qui pourra faciliter yo c'est n'est plus bien problème université a Michel Désul Messé coordonnateur général pastoral universitaire qui était dans micro radio télé éclair ni juste à la journée jeudi qui c'est élection à l'UEH solution ou enlisement bien que intervenant yo surtout on a parlé des professeurs les niveaux Chambaud li questionner plutôt li dit plutôt nous garder thème dans plutôt c'est élection à l'UEH enlisement ou solution. Il était proposé comme ça, il était allé dans ce sens-là, il débat sur lui. Il même comme un acteur en dans crise là parce que lui-même il est dans conseil université. Il est venu, il dit pour qu'il soit venu en dans côté étudiant yo parce que pas bon, yo pas décrié, yo pas courir d'elle parce que étudiant depuis comme c'est si au juge comportement ou un comportement qui arbitraire, il a fait bruit public la fabrique, il a décrié. Il dit parce que comportement parle, c'est un très bon comportement gain en dans conseil là et li tout, il te dit moun yo alte là. Et li garder ensemble de élection format qu'a fait là dit pour qui ça élection qu'a fait en dans université là, c'est presque ces mêmes gens avec élection qu'a fait dans pays là. Il t'est même questionné côté aller plus loin, il dit gain candidat qui pas gain papier pas fin correct mais comme si yo tenace pour mettre candidat ça pour comme si pour valider candidature et une candidat yo comme si qui pas supposé et joindre billet pour participer dans l'élection UIH comme candidat suivi yo c'est qui ça laisser yo ensemble étudiants accompagnés de deux professeurs qui gain pour nous produire un document pastoral là qui produit un document pour dire à travers et tout ça professeur vient dit la débat te gagne yo question que te posé de la part de étudiant yo te gagne personnel là tout ensemble moun sa yo nous pas laisser garder ensemble pour produire un document qui est disponible pour étudiant yo pour faire recherche pour garder pour comprendre université a davantage ou du moins les agir pour qu'agir et dans bon sens ou du moins avec idée qui préalablement yo gagne une idée de université exactement son document qui gagne une synthèse de ensemble ça passe en dans conférence dans tout mais n'a tout profiter synthèse à tout pour nous faire proposition étudiant au passé parce qu'il y a une bonne proposition qui fait là dans conférence là et pour faire proposition tout par exemple nous prenons considérer proposition projet étudiant dit qu'il faut un pack pour université comme s'il faut une façon pour université il faut comme s'il faut nous dit non là quand même nous pas aller dans sens nous aller mais université c'est penser société
C'est-à-dire que nous, sous 25 ans, 50 ans, parce que ceci a besoin de cadres. Il n'y a pas qu'à faire l'université à tourner et une boutique comme pour l'Union européenne. Même si on a tout ensemble de universités, qu'on y a là, maîtrise vient tourner, tant que ce n'est pas chaud. Toute université, l'intégrité n'a pas 10 boules d'université, mais qu'on a la maîtrise. Ça sont tête chargée. Dossier culture, directeur général Théâtre National, Yves Penel a annoncé participation à Haïti dans le festival Zacatecas, qui a fait dans le pays Brésil. Manifestation culturelle ça qui a déroulé sorti 12 pour arriver 20 mars qui a venu là à côté divers pays tant que Brésil, Cuba, Chili pour nous citer ça seulement pour le gagner pour participer pour le mettre en valeur œuvre artistique théâtrale chant et danse pays ça pour nous rendre hommage à qui un poète mexicain James Saminez directeur théâtre national là Yves Penel souligne importance festival ça gagne pour théâtre haïtien. Yves Penel, c'est directeur général Théâtre National qui t'a apporté plus de détails. Dans le micro, Rodelin Pierre avec Marc Henson, registre. Participation dans le festival Zacatecas, Mexique. Naturellement, tout pays qui est venu participer dans le festival là, est intéressé à Haïti. Ça veut dire, vu la performance que nous avons fait l'autre bois, tout intéressé. C'est dans ce sens-là, l'autorité dans le pays Mexique. Ils ont même encore une fois invité nous pour nous participer dans le festival qui prend le fait dans la ville Mexique. Là. Parce que, faut me faire mon connaître, le Mexique a une quantité de festivals qui est un pile pays à participer là-dedans. Alors, c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, ils ont fait choix de nous encore pour venir représenter Haïti. C'est vrai que c'était la pralée, mais c'est nous pour représenter Haïti. Et Fondou, son festival qui a déroulé du 12 au 20 mars. Dans la ville du Mexique. Là. Et mais dans l'autre pays qui a participé, il y a le Brésil, il y a Cuba, il y a le Chili, et alors il y a Haïti, et puis il y a le Mexique, il y a le Paraguay. Alors c'est ensemble de pays ça, yo, qui gagnent pour participer dans le festival. Ça. À part de pays ça, yo, à part de pays ça, yo, nous, plein l'autre festival, yo pote ben nous là. Nous plein l'autre festival yo pote ban nous pour nous participer. Ça veut dire le ou prend 7 festivals après Zacatecas nous fin participer à. OK, nous gen 7 festivals l'autre pays yo invité nous. Par exemple, nous prend Paris, c'est-à-dire la France était là lui-même, la Hollande gen Allemagne et puis gen plusieurs l'autre pays. Alors notre pays que Haïti pas même connaît qui t'a intéressé pour Haïti venir participer dans le festival yo même y a fait après ça fin ouais dans Zacatecas. C'est ça te fait autorité yo gouverneur à l'autre monde autorité Mexique te voyer des représentants yo venir garder qui ça nous même n'a préparé pour festival qui va le fait là. Alors nous même j'en nous dit à du 20 au du 12 au 20 et Haïti pour le représenter dans le festival ça qui c'est festival c'est hommage international à poète ça un coquin poète qui est James Sabines qui alors normalement qui tap vive met et Mexique. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, Corée du Nord, dit prêt pour utiliser les armes nucléaires Lio contre Corée du Sud, selon leader nord-coréen, qui a même alerté la communauté internationale en fois encore deux jours après nouveau série sanctions contre Pyongyang. Il y a une tension qui a semblé loin pour calmer. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Un tir de missile filmé sous tous les angles et bien sûr diffusé à la télévision nord-coréenne. Sous le regard bienveillant du leader Kim Jong-un. Dans la salle de contrôle, l'émotion est palpable. Le tir a réussi. C'était il y a quelques mois et c'est presque devenu une habitude pour le régime. Alors, quand le Conseil de sécurité vote une nouvelle série de sanctions suite à ses essais militaires, Pyongyang réagit en tirant d'autres missiles en mer du Japon. Et surtout, cette déclaration du leader « Nous devons être prêts à utiliser notre arsenal nucléaire à tout instant ». Côté sud-coréen, le gouvernement promet une réponse sévère à ces déclarations. Si la Corée du Nord nous provoque, nous devons répondre par une punition sévère pour lui montrer clairement le prix qu'elle aura à payer et démontrer notre détermination à protéger notre pays.
Nous devons faire en sorte que la Corée du Nord réalise que son régime ne survivra pas s'il n'abandonne pas son programme nucléaire. Kim Jong-un est-il allé trop loin cette fois-ci? Même Pékin, l'allié historique de Pyongyang, tape du poing sur la table. La Chine rejette fermement les velléités de menace nucléaire de la Corée du Nord, car elle représente une menace pour la paix régionale, pour la stabilité et la sécurité de la Chine et de ses voisins. Nous sommes bien contre cette initiative. Maintenant, nous devons trouver une solution à ce problème. Au même moment, les États-Unis et la Corée du Sud négocient la mise en place d'un système de défense antimissile dans la région. Preuve que la menace nord-coréenne est prise très au sérieux. Toujours dans le pays de l'autre bord d'eau, François Hollande recevra dans l'Elysée journée vendredi 4 mars 2016 la chancelière allemande Angela Merkel. L'objectif pour prendre une décision commune dans la question migrants. Rencontre franco-allemande a dû dissiper en pile tension, surtout à seulement 3 jours avant sommet qui prévoit organiser en pays la France avec les pays Turquie. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Deux dirigeants qui avancent dans le même sens. C'est l'image que veulent renvoyer François Hollande et Angela Merkel avant le sommet prévu à Bruxelles lundi entre l'Union européenne et la Turquie. À cette question des réfugiés, la France et l'Allemagne apportent la même réponse. Cette réponse a un nom, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui doit être capable d'apporter les solutions qui sont attendues. Pour le couple franco-allemand, il n'y a plus de temps à perdre pour apporter une réponse coordonnée. François Hollande a assuré que la France accueillerait bien 30 000 migrants, comme elle s'y est engagée auprès de l'Union européenne. Pour la chancelière allemande, la priorité c'est de protéger les frontières extérieures. Objectif de Paris et Berlin, pousser ensemble la Turquie à tenir ses engagements pour le contrôle de l'accès à son territoire, voie de passage vers la Grèce. C'est dans l'intérêt de la Turquie de trouver une solution à la crise en Syrie pour ne plus accueillir davantage de réfugiés. Et cela apportera une solution aux millions de Syriens déplacés. C'est là-dessus que doit se baser la coopération entre l'Union européenne et la Turquie. Ces derniers mois, la crise des migrants a provoqué de fortes turbulences dans le couple franco-allemand. En février dernier, Manuel Valls, en visite à Munich, avait critiqué la politique d'ouverture aux réfugiés de la chancelière. Des propos très mal accueillis par Berlin. L'Allemagne, qui de son côté reproche à la France d'avoir été longue à réagir. Des divergences que le couple franco-allemand veut donc mettre de côté pour préparer au mieux le sommet de lundi. Voilà, c'est là nous mettons fin avec 5e et puis dernière sortie journal. Nous poursuivons maintenant, mais avant nous partir, nous rappelons quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le président provisoire Jocelyne Brivert a dressé bilan divers travaux, les faits qu'on a déjà réalisés depuis qu'il est dans tête pouvoir. Président provisoire a exprimé préoccupation dans sa qui a rapport avec le phénomène d'insécurité qui a valé le terrain. Un pays à chef l'État fait qu'on a une pile disposition qui déjà prend bon côté PNH pour garantir la sécurité de la population. Fondation JICEL, dans la tête de la Croix-Rouge haïtienne, a organisé une journée collecte sans vendredi 4 mars 2016 là, dans le local qui loge l'institution en Turjo. Activité sans rentrer dans le cadre de célébration 9e année d'existence Fondation JICEL. L'autre information, directeur général Théâtre National, Yves Penel, a annoncé participation à Haïti dans le festival Zacatecas, qui a gagné pour organiser dans le pays Mexique, sorti 12 pour arriver 20 mars, qui a venu là. Divers pays tant que Brésil, Cuba, Chili a bien pour participer dans l'activité. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, François Hollande recevra dans l'Elysée journée vendredi 4 mars 2016 la chancelière allemande Angela Merkel dans l'objectif pour prendre une décision commune dans la question migrants. Rencontre couple franco-allemande a dû dissiper en pile tension, surtout seulement 3 jours avant le sommet qui prévoit organiser la France avec pays Turquie. Ces principales informations avec divers slots qui étaient faits essentiels 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde.